S'il n'y avait pas de terres rares, on reviendrait aux années 70. Vous ne vous rappelez peut-être pas que les premiers téléphones portables faisaient la taille d'une brique. Le monde serait immobile sans terres rares. Les terres rares sont des métaux aux noms bien mystérieux. Europium, cerium, gadolinium ou lutécium, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, et pourtant ils sont là, autour de nous, dans nos écrans, nos téléphones et jusque dans nos billets de banque. Les terres rares, c'est le pétrole du 21e siècle, le moteur des industries d'aujourd'hui. Sans terres rares, l'industrie japonaise serait totalement détruite. Vous savez, ici en Chine, nous possédons les plus grandes réserves. La Chine est actuellement le seul pays producteur de ces métaux. Le reste du monde s'est engagé dans une lutte sans merci contre ce monopole. La guerre des terres rares, c'est l'histoire d'un conflit économique aux conséquences dévastatrices pour les hommes et l'environnement. Une sale guerre. Le 7 septembre 2010, en mer de Chine, un incident banal révèle au monde entier les tensions liées aux terres rares. Ce jour-là, un chalutier chinois pénètre dans les eaux territoriales japonaises. Les gardes-côtes japonais ordonnent au bateau de pêche de s'immobiliser. Le capitaine du chalutier refuse, plutôt violemment. L'équipage chinois est interpellé. Une véritable humiliation pour Pékin qui décide de frapper le Japon en son point le plus faible. Le 22 septembre 2010, les exportations de terres rares vers le Japon sont suspendues. Sans ces minerais, l'ensemble des industries high-tech japonaises, le quart de l'économie nationale, est menacé. Le banal incident maritime se transforme en catastrophe pour le pays du soleil levant. L'embargo imposé par Pékin touche le cœur de la troisième puissance mondiale. La guerre des terres rares est ouverte. Lorsqu'on regarde sur le long terme, on observe que la Chine a toujours mis en œuvre une stratégie consistant à utiliser ses ressources naturelles comme moyen de pression politique. Tous les fabricants japonais ont commencé à manquer de stock. L'industrie était dans un état de panique. Pendant des années, la Chine a inondé le monde entier de terres rares à prix cassé. L'Europe, mais aussi l'Asie et l'Afrique, s'équipaient de mobiles bon marché. Et personne ne se souciait alors d'une pénurie possible. C'était la mondialisation heureuse, en quelque sorte. En septembre 2010, l'embargo chinois est un électrochoc. Au Sénat américain, le réveil est brutal. La semaine dernière, la Chine a suspendu ses livraisons de terres rares à destination du Japon. Il s'agit d'un avertissement fort. Le bon sens nous apprend que, vu notre dépendance aux terres rares, nous n'avons plus une minute à perdre. Ma conclusion est que la Chine a pris le contrôle du marché des terres rares. Et nous, les États-Unis, sommes en train d'être dépassés. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. C'est pourquoi nous allons faire une étude de faisabilité. C'est une crise, nous devons réagir immédiatement. Mais que font les bureaucrates? Ils écrivent des rapports. Donc, en ce moment, nous sommes inondés de rapports gouvernementaux. Les terres rares ici, les terres rares là. Mais si vous me demandez pourquoi n'y a-t-il pas de stratégie sur les terres rares depuis 25 ans, eh bien, les États-Unis n'ont pas de stratégie à long terme et les terres rares ne font pas exception. La prise de conscience est tardive. En réalité, la crise couvait depuis 25 ans déjà, alors que le leader mondial des terres rares n'était pas la Chine, mais les États-Unis. À l'est de la Californie, au début des années 80, le groupe minier Molycorp exploite la carrière de Mountain Pass. C'est alors la plus grande mine de terres rares de la planète. Mais les coûts de production sont élevés et les clients de Molycorp vont chercher des minerais moins chers en Chine. Mountain Pass ferme, victime des lois du marché. Toutes les mines sont désormais chinoises. Le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Promettait dès 1992 le visionnaire Deng Xiaoping, le père du développement économique chinois.
Avec l'arrêt de la production de minerais aux États-Unis, les Chinois ont gagné la bataille pour le contrôle des mines, mais pas encore la guerre des terres rares. Un deuxième front reste à conquérir. Pour pouvoir utiliser le minerai, il faut des technologies que l'industrie chinoise ne possède pas. La Chine, à l'avenir, ne sera pas seulement un fournisseur de minerais de terres rares, mais aussi un pays consommateur très prometteur de terres rares à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle notre nation encourage aujourd'hui les industriels des terres rares à investir davantage dans les produits technologiques. Notre but est d'utiliser nos minerais afin de produire nous-mêmes davantage de composants essentiels. Bien sûr, pour cela, il nous faut faire venir les technologies étrangères en Chine. La stratégie est annoncée. La bataille des usines peut commencer. Aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana, les Chinois rachètent en 1995 Magnequench, un fleuron de l'industrie américaine. On y fabriquait des aimants à base de terres rares, des aimants surpuissants utilisés, entre autres, pour les missiles de l'armée. Aujourd'hui, les bâtiments sont toujours là, mais ils ont changé d'activité. Lorsque j'ai commencé à travailler ici, les 30 premiers jours, j'étais à l'accueil. Maintenant, vous pouvez voir le panneau là-bas. C'est Coco Cabana Canin, où les gens amènent leurs chiens à la crèche. On voudrait visiter. J'étais ici quand c'était Magnequench. Avant, il y avait des machines juste derrière moi. En fait, je faisais vivre ma famille grâce à ces machines. Ouais, je comprends. Donc j'aimerais voir à quoi ça ressemble maintenant. C'est là qu'on confectionne toutes les confiseries pour les chiens. En fait, je pense que toute cette zone ici, c'était des bureaux, jusqu'à la porte là-bas, où il y avait les machines. C'était les bureaux du grand PDG. Et cet endroit-là a été transformé en un genre de boutique pour chiens, où vous pouvez trouver des choses pour les chiens, genre des chemises, des jouets, des manteaux. Ça, par exemple, c'est une robe. Je crois que c'est du 100% coton. C'est ce que vous aimez mettre à votre chien. Et je crois bien que c'est fabriqué en Chine. Voilà une autre salle. C'est là que les chiens viennent et font la fête quand c'est leur anniversaire. C'est à ça que ça sert. Ici, on avait des palettes d'aimants qui attendaient d'être expédiées. C'est là que notre matériel était installé. Cette salle était utilisée pour fabriquer des aimants qui servaient pour la guerre, pour fabriquer des bombes, des aimants pour des missiles téléguidés et tout un tas de trucs. Et ils ont tout vendu. C'est parti, c'est pour les chiens. Des gens travaillaient ici pour nourrir leur famille. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est des chiens. Le shampoing et la tondeuse pour chiens en lieu et place des super aimants de haute technologie. Ici, la guerre des terres rares a fait des victimes. Randy. Hello, it's Terry Luna. How you doing, Randy? Come on in. Thanks. Mon Dieu, ça fait longtemps. Yeah, oui, ça fait 9 ans. How you been? Tu m'as manqué. Comment ça va depuis? Jeez. Je crois que ces aimants finissaient dans les brosses à dents électriques pour les faire vibrer. On les trouvait dans des tas de choses, dans des jouets. Et eux, là, ils allaient dans les bras des robots. Ils sont faits avec du néodyme et du bore. Même le télescope Hubble utilisait nos aimants pour bouger. En fait, dès qu'il y a un moteur ou un démarreur, il y en a. Dans les disques durs? Oui, dans les disques durs, il y a des aimants de terres rares.
et tous les ordinateurs ont des disques durs. Les gens n'ont jamais entendu parler des aimants de terres rares. Quand je montre ces aimants, les gens sont sidérés par leur puissance. Maintenant, c'est la Chine qui les a, et nous, on ne peut plus lutter. Le gouvernement chinois est venu au Canada et aux États-Unis. Il a acheté toutes les petites entreprises qui fabriquaient des aimants. Les Chinois ont appris nos secrets et ils sont repartis avec. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Je ne dirais pas que c'est une guerre parce qu'ils l'ont déjà gagnée. Maintenant, tout est à eux. En rachetant MagnaQuench, les Chinois ont acquis la technologie qui leur manquait pour perfectionner leurs missiles longue portée. Des aimants indispensables aux bombes de haute précision utilisées par l'armée américaine en Irak. La course aux terres rares est aussi une course aux armements. J'ai passé 21 ans au ministère de la Défense à travailler sur des questions de transfert de technologie. Et en 21 ans, l'affaire MagnaQuench figure parmi les 5 cas les plus graves que j'ai connus. Les citoyens chinois qui participaient à l'opération étaient extrêmement inquiétants. L'un d'eux en particulier était un des hommes connus en Chine comme un prince rouge. C'était le gendre de Deng Xiaoping qui dirigeait la Chine à l'époque. Et nous avons signalé tout cela de manière répétée. Nous avons fait remonter ce problème à nos supérieurs du ministère de la Défense. Nous avons soutenu notre point de vue inlassablement. Et finalement, on nous a ignorés. Désormais, les États-Unis doivent acheter des composants essentiels de leur arsenal militaire à la Chine. Une situation gênante pour la première armée du monde. Les politiques vont s'emparer du sujet. Hillary Clinton en fait même un thème de campagne. Une entreprise chinoise a acheté MagnaQuench. Les citoyens de l'Indiana et leurs élus ont supplié l'administration Bush de bloquer le déménagement des emplois vers la Chine. Mais ce ne sont pas seulement les emplois qui sont partis, mais aussi la propriété intellectuelle et le savoir-faire technologique. En 2003, l'administration Bush avait les moyens d'empêcher le transfert des unités de production. Mais ce qu'Hillary Clinton ne dit pas, c'est que son mari Bill Clinton était aux affaires au moment de la vente de MagnaQuench aux Chinois en 1995. Et lui non plus n'a rien fait. L'une des plus grandes déceptions que j'ai eues avec l'administration Bush est que sur la question du contrôle des exportations, ils n'ont pas fait mieux que l'administration Clinton. À une grosse différence près, ils n'étaient pas financés par les Chinois. Johnny Chung, qui était sous Clinton un des principaux collecteurs de fonds chinois pour le Parti démocrate, est venu 58 fois à la Maison-Blanche en 2 ans. Johnny Chung a participé aux transferts illégaux de millions de dollars depuis les comptes du Parti communiste chinois sur ceux du Parti démocrate américain. Dans cette affaire, 22 personnes ont été condamnées par la justice. Ce scandale est entré dans l'histoire sous le nom de Chinagate. Tandis que les gouvernements célèbrent la liberté des marchés, l'administration publie des rapports sur la fuite des technologies. Et sur place, les ouvriers en subissent les conséquences. À quelques kilomètres de l'ancienne usine de MagnaQuench, les habitants de Gary fuient leur ville. Dans l'état de l'Indiana, le chômage, le désespoir, l'insécurité sont la signature de la mondialisation, de la dictature des marchés. La fin de MagnaQuench, c'est aussi la disparition de l'industrie américaine. L'histoire de MagnaQuench s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la mondialisation des échanges. Elle représente ce qui est arrivé à des milliers de gens à travers les États industriels du Midwest. À mesure que la mondialisation a produit ses effets et provoqué des dégâts. Ça aurait dû être un signal d'alarme. Nous n'allions pas seulement perdre la production des tasses à café, mais nous allions nous retrouver désavantagés sur le plan économique, d'une manière bien plus grave. Pas seulement dans la recherche et le développement, mais dans les emplois les plus pointus.
Et il est évident que tout cela avait été planifié à l'avance. Ce n'est pas une stratégie qui fut conçue par un conseil de vieux sages. Ça s'est fait naturellement. Ces industries étaient à l'origine dominées par les États-Unis, où ces technologies avaient été développées. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde voulait produire à moindre coût. En 20 ans, l'industrie américaine des super-aimants a perdu plus de 90% de ses employés. Electron Energy Corporation est l'un des derniers producteurs d'aimants américains à résister à la concurrence chinoise. Ici, c'est la salle des machines. C'est là qu'on va donner leur forme et leur taille définitive aux aimants. Il y en a des centaines de milliers qui sortent d'ici, de cette usine, chaque année. Voici les terres rares. Ça, c'est du samarium. Ces métaux viennent tous de Chine. Les prix de ces terres rares ont été multipliés par plus de 8 en un an. Vu les incertitudes des approvisionnements, nous avons tout fait pour acheter le maximum de stock possible. Ça a été un très gros challenge ces 12 derniers mois, surtout depuis que les exportations chinoises ont été si fortement réduites. Des hausses de prix comme on n'en avait jamais vu. Une source de minerais qui s'assèche. La politique chinoise des quotas est ressentie par les Occidentaux comme une déclaration de guerre. La Chine organise artificiellement une pénurie et des quotas d'exportation, ce qui augmente les prix à l'international alors qu'elle les maintient à bas prix en Chine. Les industriels dans les États de l'Ohio et du Delaware ne peuvent tout simplement pas rester compétitifs. Comment pouvons-nous être compétitifs lorsqu'ils trichent de manière aussi éhontée ? C'est sur le front de la sacro-sainte liberté de la concurrence que la bataille s'engage. À Washington, une plainte de 5800 pages a été rédigée, destinataire la WTO, l'Organisation mondiale du commerce. Le problème avec la politique de restriction des exportations chinoises, c'est qu'elle désavantage le reste de la planète. Les Chinois pratiquent des discriminations pour ce qui s'avère être des ambitions commerciales. Et dans le cas des terres rares, il apparaît que la Chine viole clairement ses obligations. Pour maintenir sa croissance, l'économie chinoise a besoin de marchés opulents, de technologies de plus en plus performantes. Bref, elle a besoin des Occidentaux. Un exemple, nos téléphones portables. Les trois quarts des mobiles fabriqués en Chine sont vendus à l'étranger. En septembre 2011, la Chine change de tactique. Un an après le coup de force de l'embargo, elle tente de calmer le jeu et organise une conférence internationale sur les terres rares. Les grands groupes industriels des cinq continents ont dépêché leurs émissaires. Baotou est la ville des hautes technologies et des terres rares. Chaque année, nous pouvons fournir 30 000 tonnes d'aimants, 10 000 tonnes de lanthanides qui servent à stocker de l'hydrogène, 10 000 tonnes de matériaux de polissage, 300 tonnes de matériaux luminescents, 1 000 tonnes de minerais catalyseurs. Les industries technologiques sont donc les bienvenues, car nous pouvons leur fournir pratiquement toutes les terres rares dont elles ont besoin. Je rêve de voir les habitants de Baotou vivre dans la joie et la prospérité. Je pense que dans 10 ans, le niveau de vie sera similaire à celui de la France. Selon un proverbe chinois, 10 000 paroles ne valent pas un coup d'œil. Nous voulons que les étrangers puissent voir Baotou de leurs propres yeux. C'est vrai que les choses se passent beaucoup à Baotou, qui est la Mecque des terres rares, hein, et ça les Chinois le mettent bien en valeur, dans l'esprit de faire la promotion bien sûr de Baotou et d'attirer les investisseurs comme savent le faire les Chinois. Bienvenue à Baotou. Cette petite Dubaï surgit en quelques années au milieu des steppes de Mongolie intérieure est devenue la vitrine de la Silicon Valley chinoise. Les trois quarts des 130 000 tonnes de terres rares produites chaque année par la Chine sont extraites des mines de la région. Baotou,
visage de la Chine heureuse. Ici, les terres rares ont bouleversé le quotidien de ces 2,5 millions d'habitants. C'est une ville que j'ai quittée il y a 10 ans, qui était noire, grise et sans lumière. C'était une société vivrière et maintenant on est passé à une société de consommation. On est passé de la mine aux produits purifiés et maintenant on est aux aimants, on est aux vélos électriques, aux véhicules électriques, aux luminophores pour les écrans de télévision. Séduire les étrangers, c'est l'objectif des Chinois. Les investisseurs étrangers, pas les journalistes. Jean-Yves Dumousseau emporte sa caméra. Au menu, tradition mongole, avec mouton rôti et danse folklorique. Et modernité chinoise, avec pour la première fois une immersion dans les coulisses de l'industrie des terres rares. Une transparence impensable quelques mois plus tôt. Il fallait faire la promotion de la Chine et une promotion positive, parce qu'on les voyait comme les méchants qui bloquaient l'accès aux minerais, donc qui allaient empêcher tous les missiles, qu'ils soient Exocet ou Patriot, de voler. Et là, les Chinois ont voulu montrer une ouverture d'esprit, à la fois dans les visites et dans les messages qu'ils ont passés, pour construire de nouveaux liens qui s'étaient un peu rompus dans les années précédentes du fait du monopole et du poids des Chinois dans l'industrie des terres rares. Moralité, côté investisseur, pour être compétitif, il faut être à Baotou. La règle est simple. Côté Chinois, les capitaux étrangers ont déjà créé des centaines de milliers d'emplois. Construisons une ville propre pour notre pays. Le mot d'ordre d'un avenir radieux s'affiche à chaque carrefour. Mais 10 000 affiches ne valent pas un coup d'œil. Prospère, verdoyante, Baotou est devenue grâce aux mines de terres rares situées à une centaine de kilomètres du centre-ville. Des gisements tenus à l'abri des regards. Dans les campagnes industrielles, ces ouvriers payés 9 euros par jour incarnent une autre Chine. Une Chine sous-développée et miséreuse, avec des terres souillées par la course aux minerais magnétiques. Depuis des décennies, les habitants du village de Dalai sont sur la ligne de front. Ils respirent, boivent, mangent les rejets toxiques du géant minier Baogang. Il y a eu beaucoup de malades chez les vieux. Des cancers, des accidents vasculaires, de l'hypertension. Ça a touché presque tout le monde. C'est très grave ce qui se passe ici. On sait qu'on respire de l'air toxique avec toute cette pollution et qu'on n'en a plus pour bien longtemps à vivre. On a fait des tests et notre village de Dalai a été surnommé le village du cancer. Il y a un ruisseau qui sert à déverser les eaux usées. Dedans, il y a de l'aluminium, du fer et plein de produits toxiques qui viennent de l'usine. Ça, c'est c'est le côté environnemental de la Chine. Ça ne faisait absolument pas partie du programme de visite. Et c'est vraiment la face noire, je peux dire, de la Chine. Et c'est des choses qu'ils n'ont pas prises en compte, absolument pas, dans les 50 dernières années. Moi qui suis chinoise, je dois vous le dire. C'est une réalité. Le peuple chinois a sacrifié son environnement pour nourrir la planète entière avec des terres rares. Voilà la vérité. Ce que je veux dire, c'est que le prix à payer pour développer notre industrie a été trop élevé. Cela s'est fait au prix de la destruction de notre environnement. Of the environment. On savait très bien en Europe et aux États-Unis quel était le coût d'accès pour avoir des terres rares à peu près propres, sans polluer et sans mettre en danger
les générations futures, mais on a fermé les yeux sur ce qui se passait en Chine. La Chine est devenue l'usine du monde. Et cette usine du monde a approvisionné la planète entière en marchandises à bas prix, y compris les matières premières de l'industrie, y compris précieuses comme les terres rares. Mais dans le même temps, toute la pollution occasionnée par l'industrie a créé de gros problèmes à la Chine. Il y a des rejets d'eau usée, des émissions de gaz polluants, des rejets toxiques solides, sans compter les éléments radioactifs. La Chine a perdu la bataille de la pollution. Elle ne peut plus ignorer la facture écologique des terres rares. L'environnement s'impose désormais dans l'économie de marché et le traitement de la pollution fait exploser les coûts de production. Le monopole des terres rares se révèle cadeau empoisonné. En abandonnant les terres rares aux Chinois, les Américains l'avaient déjà compris. Car si la mine californienne de Mountain Pass a fermé en 2002, c'est aussi parce que les États-Unis n'étaient plus prêts à supporter le coût de la pollution causée par les terres rares. Une pollution durable qui marque le désert de Morave d'une souillure indélébile. Molycor a suspendu l'exploitation de la mine à la fin des années 90. Mais ils sont responsables et doivent nettoyer la pollution passée. Là, nous voyons la mine. Elle fait 100 mètres de profondeur et 215 mètres de large. S'il y a de l'eau, c'est parce qu'ils ont creusé en dessous de la nappe phréatique. Quand la mine était ouverte, toute l'eau rejetée était dirigée vers ce site, qui est un bassin de décantation. Aujourd'hui encore, les nappes phréatiques continuent d'absorber les écoulements d'eau contaminée qui viennent de ce bassin. L'eau polluée était pompée ou évacuée à l'extérieur de la mine, qui était située en hauteur, vers le grand bassin de décantation au milieu du désert. Et ce que cette carte montre, tous ces chiffres le long du tuyau, ce sont des endroits où ce tuyau s'est percé et où il y a eu des fuites. C'est de l'eau qui était utilisée dans le traitement du minerai. Elle contient souvent des niveaux élevés de produits toxiques. Le plus souvent, on peut y trouver des métaux comme du plomb, mais aussi des métaux radioactifs comme du radium, du thorium et de l'uranium. La plus importante fuite a eu lieu en 1992, une fuite d'1,5 million de litres. Donc en tout, ce sont près de 4 millions de litres qui ont été répandus dans le désert. À 8 fuseaux horaires de la Californie, la Malaisie doit, elle aussi, affronter un passé hanté par les minerais high-tech. Pendant 15 ans, des terres rares ont été extraites et raffinées à Bukit Merah, au nord du pays. Comme à Baotou, l'industrie se proclame soucieuse de l'environnement. Or, le site fut l'un des plus radioactifs d'Asie. 100 millions de dollars sont aujourd'hui engagés pour le nettoyer. Responsable de ce désastre, le conglomérat japonais Mitsubishi. Ils ont fait tourner le site entre la fin des années 70 et 1994. Ils ont extrait des minerais utilisés entre autres dans les télévisions couleur. Mais ces activités ont généré des rejets radioactifs extrêmement puissants. Pour l'industrie nucléaire, il s'agit de déchets radioactifs de moyenne activité. Ils doivent être manipulés avec le plus grand soin. Mais vous le voyez sur ces images, ils ont déposé les déchets dans des vieux bidons tout rouillés. Et ils ont utilisé des sacs plastiques en guise de revêtement. C'est vraiment triste. Mitsubishi a fermé l'usine et est parti. Et maintenant, on se retrouve avec ces déchets pour 14,4 milliards d'années.
Pendant 15 ans, les villageois ont vécu aux abords d'un site de stockage radioactif à ciel ouvert, inhalant jour et nuit les poussières toxiques dispersées par les vents. Au milieu des années 80, nous avons entendu parler de femmes qui faisaient des fausses couches. Leurs fœtus ressemblaient à des méduses. Et selon des études scientifiques que nous avons pu consulter, c'était le signe de fausses couches provoquées par les radiations. Un médecin a également signalé 8 cas de leucémie sur une population de 11 000 personnes à Bukit Mera. Ça date du 13 avril 1977. Les villageois étaient très en colère, donc nous avons organisé une grande manifestation de 20 000 personnes. Les forces de l'ordre nous encadraient, réprimant la manifestation. Il y a eu beaucoup d'arrestations et j'ai eu l'honneur d'être détenu. La police a organisé une descente et j'ai été le premier à être détenu. Là, c'est moi. J'étais jeune à l'époque. J'ai passé 2 ans en détention. Mais comment dire? Aujourd'hui encore, je suis surveillé. Je suis espionné en permanence. Mais vous devez vivre avec ça si vous militez pour l'environnement dans ce pays. Paradoxe. Les énergies vertes, panneaux solaires et éoliennes, utilisent de grandes quantités de ces métaux polluants. La Chine a annoncé que d'ici 2020, elle allait construire pour 300 gigawatts, 300 000 millions de watts d'électricité produite par des éoliennes. Ils disent qu'ils vont utiliser des aimants de néodyme ferbor. Si c'est vraiment le cas, ils disent qu'ils vont avoir besoin de 59 000 tonnes de néodyme dans les 9 prochaines années. Cela représenterait 3 fois ce que la Chine produit actuellement chaque année, rien que pour ses éoliennes. Nous pouvons prévoir que dans les 5 prochaines années, la Chine ne pourra plus répondre à ses propres besoins de terres rares lourdes. C'est pourquoi nous devons maintenant essayer d'aller voir à l'extérieur de la Chine pour chercher des partenaires étrangers qui, avec nous, pourraient explorer les nombreuses régions qui possèdent des ressources abondantes de terres rares. Retournement de stratégie. La Chine, qui avait tant lutté pour conserver son monopole, n'en veut plus. Épuisement de la ressource et pollution l'oblige désormais à chercher à l'étranger la réponse à ses besoins croissants. La bataille du chronomètre est engagée, et pas seulement en Chine. Le monde se lance dans la quête de ces terres, finalement pas si rares que ça. En dehors de la Chine, il y a de nombreux gisements de terres rares. En Afrique du Sud, et aussi à Tour Lake au Canada. Il y a aussi la mine de Mount Weld, à l'ouest de l'Australie, qui contient également des terres rares. Une alliance inédite se forme entre la Chine et l'Occident. Objectif : trouver un pays producteur qui accepte d'être pollué pour fournir le monde en minerais. L'Australie rouvre sa mine de Mount Weld, mais refuse évidemment la pollution. Elle délocalise le raffinage des terres rares, la partie la plus sale du processus, en Malaisie. À Kuala Lumpur, le gouvernement malais a donné son accord. Les contrats sont signés. Le groupe australien Linas a promis d'investir des milliards de dollars dans le pays. La police veille, la colère gronde. Trente ans après la pollution de Mitsubishi, une nouvelle génération de Malaisiens se lève et refuse le fardeau de la mondialisation des terres rares. Malaysia,
La police essaye de nous intimider depuis le début. Ils nous ont confisqué notre estrade. La musique que nous jouons, c'est parce qu'ils ont aussi confisqué le système de sonorisation avec les enceintes. Il ne nous reste qu'un porte-voix. Nos lois ne nous protègent pas. Il n'y a pas de véritable législation environnementale en Malaisie. En filmant cette manifestation, vous ferez savoir au monde entier qu'il y a des injustices en Malaisie. Avec l'environnement, c'est aujourd'hui la société civile qui vient troubler la si discrète et si sale guerre des terres rares. Les industriels des minerais high-tech sont désormais sous surveillance. Même les Australiens remettent en cause le projet de l'INAS. À l'origine, l'usine de raffinage devait être installée à côté de la mine et tous les déchets devaient être enterrés sur place. Mais là, ce qui est curieux, c'est que nous envoyons ces déchets pour qu'ils soient raffinés dans un autre pays et que nous allons laisser nos déchets australiens traîner à la surface du globe, ailleurs que chez nous. Je trouve que c'est une façon bizarre d'assumer ses responsabilités. À 250 km de Kuala Lumpur, dans la ville de Kuantan, l'INAS fait surgir de la jungle la plus grande raffinerie de terres rares du monde. Un quart des terres rares de la planète pourrait bientôt transiter par la Malaisie, mais chez l'INAS, personne ne veut parler de cet ambitieux projet. Les demandes d'interview sur le site de Kuantan sont clairement déclinées. Lorsque cette usine fermera, que feront-ils de tous ces déchets? Vont-ils les stocker dans des tonneaux en acier? Les barils seront-ils toujours étanches? Qui en sera responsable? La population a été mise devant le fait accompli. Les pêcheurs de la rivière Balouk n'ont guère eu leur mot à dire, mais en cas de fuite radioactive, ils seraient évidemment les premiers concernés. Quand il s'agit d'un sujet qui implique des matières radioactives, je n'y suis pas opposé par principe, mais elles devraient être remises en terre là où elles ont été extraites. Et peu importe que cela se produise en Argentine, en Afrique ou en Australie, on ne devrait pas promener nos déchets radioactifs aux quatre coins de la planète. Aux États-Unis, la réouverture de la mine de Mountain Pass est engagée. Le groupe minier Molycorp promet qu'il n'y aura aucun problème de radioactivité. Un travail colossal de rénovation doit être réalisé. Il y a de nouvelles méthodes d'extraction et de raffinage, ce qui fait qu'une société, pour être compétitive, doit moderniser son usine et ses technologies pour correspondre aux standards d'aujourd'hui. En attendant, un rapport de la Cour des comptes précise que la radioactivité liée à l'extraction des terres rares est préoccupante. Qu'il faudrait de 2 à 5 ans pour créer une usine pilote pour raffiner le minerai et 15 ans pour ressusciter les industries des terres rares. Les compétences pour aller du minerai à l'aimant nécessitent les compétences de 6 ou 7 industries. Si je vous disais que j'ai une mine de fer et que je vais construire des voitures, vous allez me rire au nez. Mais si je vous dis « j'ai une mine de terres rares et je vais faire des aimants », vous me dites « ah bon, ok ». On n'a jamais vu la même entreprise exploiter un gisement et faire des aimants. Un autre obstacle se dresse sur la route de la relance et celui-ci risque d'être fatal pour la compétitivité américaine. Nous avons appris que les États-Unis ne détiennent ni les brevets, ni les droits de propriété industrielle des modes de transformation et de raffinage
des minerais de terres rares. Certaines entreprises japonaises et chinoises possèdent ces droits de propriété industrielle. Donc, pour qu'une entreprise américaine puisse participer à la chaîne de production, il faut qu'elle puisse acheter ces brevets ou bien attendre qu'ils tombent dans le domaine public. La fin annoncée du monopole chinois a lancé le monde entier dans une course effrénée aux terres rares. Des gisements apparaissent sur les 5 continents. Sont-ils exploitables? Seront-ils exploités? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il est en revanche, c'est la course au profit et à la spéculation. Les jeux sont ouverts. Il existe aujourd'hui 250 sociétés d'exploration cotées au Canada, en Australie, en Europe et même aux États-Unis. Elles prospectent près de 400 gisements de terres rares. Le marché des terres rares aujourd'hui, c'est un marché où les gens achètent des actions et parient les uns contre les autres. Vous pariez que le prochain acheteur paiera plus que vous. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise elle-même. C'est Las Vegas, c'est Wall Street. Et ça s'est toujours passé comme ça, alors que personne n'a encore extrait un seul gramme de terres rares. Les projets les plus insensés voient le jour. Le Los Angeles Times rapporte que Moon Express, une société californienne, prétend pouvoir extraire des terres rares d'une carrière cosmique située sur la Lune. À Moscou, le vice-président de l'agence spatiale Roscosmos réplique avec la même annonce. Plus sérieusement, une découverte récente met l'industrie des terres rares en émoi. Les Japonais ont annoncé qu'ils pensaient avoir trouvé d'importantes ressources de terres rares dans des nodules de manganèse sur le sol du Pacifique. C'est un événement fascinant parce que tout à coup, les gens vont avoir une raison financière d'aller exploiter le fond des océans. Pour le Japon, qui ne possède aucune mine de terres rares, l'exploration marine serait la solution pour contrer le monopole chinois. Les réserves contenues dans le sol du Pacifique pourraient suffire à rassasier la planète pendant des millénaires. Spéculation ou réalité, la guerre des terres rares gagne le fond des mers. Nous avons repéré des zones riches en terres rares qui se situent au large de Tahiti, ainsi qu'autour des îles d'Hawaï. Nous avons estimé que les réserves de terres rares qui se trouvent sous l'océan sont environ 800 fois supérieures aux terres rares que nous pouvons trouver aujourd'hui à la surface de la Terre. À titre personnel, j'ai bon espoir que dans un futur proche, nous allons découvrir des réserves de terres rares au large du Japon et qu'il sera possible de les exploiter. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, mais mon espoir est que cela deviendra possible d'ici 10 ans. Ou 20 ans. Enfin, je l'espère. Une à deux décennies. Une éternité face à l'urgence des besoins en minerais de l'industrie high-tech japonaise. Après 6 mois d'embargo total, les exportations chinoises ont repris, au compte-gouttes. Un tiers seulement des besoins japonais. La pénurie menace la production des Kaitai, les smartphones du pays du soleil levant. Portefeuille électronique, passe pour le métro, plateforme d'écriture de romans et même calculateur de radioactivité. Il faut sauver le Kaitai. Un mot d'ordre et une arme, le recyclage. Commerce, administration installe des points de collecte. La mobilisation est générale et pour motiver les troupes, les autorités japonaises ont recruté la chanteuse virtuelle Hatsune Miku. Sa mission ? Convaincre les Japonais qu'ils sont assis sur un trésor capable de sauver l'économie nationale. En moyenne, au Japon, les gens changent de téléphone portable tous les 2 ans.
Mais la plupart ne savent pas où les jeter. En plus, ces téléphones sont très jolis, alors on préfère les garder dans un tiroir à la maison. On dit qu'il y a environ 200 millions de téléphones portables qui ne servent plus. Et pourtant, ils ne sont pas recyclés. Lorsqu'on active le mode silencieux, il y a un moteur pour faire vibrer le portable. Au bout de ce vibreur, il y a un contrepoids en métal. C'est du tungstène avec un peu de terre rare. Un dixième de gramme de terre rare dans chaque téléphone. L'intention est louable, le geste patriotique, mais le recyclage des mobiles paraît bien dérisoire face aux besoins de l'industrie high-tech du Japon. Et pourtant, aux États-Unis aussi, par ces temps de disette en terres rares, on se met au recyclage et on s'attaque désormais à des appareils électroniques beaucoup plus gros. Le recyclage aujourd'hui a énormément progressé. Ce que vous voyez ici en est un parfait exemple. C'est un jour de recyclage et il y a plus de 800 voitures. C'est comme ça 4 fois par an dans 3 centres différents. Place au grand débarras. Un citoyen de Pennsylvanie produit chaque année entre 4 et 6 kilos de déchets électroniques. Pour les uns, ce sont de simples poubelles. Pour d'autres, un véritable jackpot. Le recyclage, ça peut nous aider à réutiliser nos ressources. Tu vois, il n'y a pas à hésiter une seconde. Les gens jettent beaucoup de choses. Ils jettent des tas de choses incroyables. Des trésors. Ce ne sont des trésors que si vous pouvez les récupérer. Tout a une valeur. Le problème, c'est le prix de la récupération. Les terres rares sont clairement utilisées dans les produits électroniques. Mais le problème, c'est que le coût d'extraction est supérieur à leur valeur. Si vous recyclez chez nous, on doit vous faire payer. Donc, si la question financière est importante, il y a des gens qui préfèrent les renvoyer en Chine. Des terres rares qui repartent vers la Chine, l'accusation est grave. La majorité des recycleurs assurent pourtant traiter les déchets aux États-Unis. Lorraine Roman milite pour que son pays recycle lui-même ses déchets électroniques. Son travail, jeter la lumière sur les pratiques du secteur. L'État du New Jersey concentre un grand nombre de ses prétendus recycleurs. Bonjour, j'ai une télévision de 17 pouces que je voudrais recycler. Est-ce que vous recyclez ça? Oui, bien sûr, vous pouvez nous l'amener. Ok, et combien est-ce que ça coûte? Ça vous coûte rien, c'est gratuit. On va la recycler et on va récupérer les composants, ok? Ok, je voulais en savoir plus, merci pour l'information. Si un recycleur de produits électroniques ne demande pas d'argent, surtout pour les déchets toxiques, comme les tubes cathodiques, alors on sait qu'il y a de grandes chances, pratiquement 100% de chances, qu'ils envoient ça à l'étranger pour faire des bénéfices, qu'ils exportent toutes ces matières toxiques. Les tubes cathodiques, qui contiennent de la poudre de phosphore et aussi des terres rares, tout part à l'étranger. Pour enquêter, Lorraine photographie le numéro de suivi inscrit sur les conteneurs. De cette manière, elle peut retracer leur cheminement à travers le monde. Je peux voir les numéros sur les conteneurs. J'espère que je vais réussir à les prendre en photo. Après des années d'enquête, Lorraine est formelle. 80% des déchets sont exportés vers Hong Kong. De là, ils seront réexpédiés vers l'Inde, le Vietnam et la Chine. Les gens commencent à se dire, peut-être que nous ne faisons pas les choses aussi bien qu'on le devrait. Si on recyclait tous nos déchets électroniques aux États-Unis, qu'on pouvait récupérer les terres rares et développer les techniques de recyclage, au moins on pourrait reconstituer nos stocks de terres rares. Mais si tout part en Chine, alors que la Chine détient déjà tous les minerais, nous sommes perdants sur toute la ligne. Des groupes miniers qui ne commercialisent pas encore un gramme de terres rares,
des réserves immobilisées au fond des océans, un recyclage balbutiant. La fin du monopole chinois n'est pas pour demain. Aujourd'hui, 2600 entreprises chinoises et étrangères ont déjà convergé vers Baotou. Et chaque jour qui passe, les transferts de technologies s'accélèrent. En définitive, je crois que nous devons créer une concurrence plus juste. Une concurrence qui ne soit pas fondée sur la recherche du moindre coût. Cette concurrence plus juste prendrait en compte l'environnement, la sécurité et la santé des populations. Dans les prochaines années, les gouvernements occidentaux vont être bombardés de questions sur les ressources. Les terres rares, le tungstène, l'antimoine, le lithium et tout à coup, le cuivre. D'un coup, toutes ces questions vont faire surface. C'est pas facile. Nous avons besoin de ces minerais pour maintenir nos modes de vie. Et il faut bien les trouver quelque part. Mais il y a toujours un impact, une cicatrice. Les terres rares sont à notre époque ce que furent le pétrole au XXe siècle et le charbon au XIXe, le moteur d'une révolution industrielle. La sale guerre que se livre le monde pour leur possession bouleverse les règles de la mondialisation, en y ajoutant les coûts humains et environnementaux. Du cérium dans les écrans, du néodyme dans les téléphones mobiles, une révolution technologique et peut-être une occasion de repenser le monde.